Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va finir avec l'anatomie du pied, bien qu'il reste à l'anatomie de surface. Donc on va voir les artères, l'innervation, l'irrigation et l'innervation. Mais vous allez voir qu'à certains moments, on ne va pas tomber dans les détails. Il y a trop de détails. Bon, comme c'est un livre d'anatomie, c'est tout à fait normal qu'il y ait tous ces détails-là. Pour vous, pour votre niveau, vous n'avez pas besoin de tous ces détails. OK, donc on va commencer avec l'artère. Les artères. Donc, la vascularisation du pied est assurée par les branches de l'artère tibiale postérieure. On se rappelle qu'il passait en arrière par le canal tarsien et de l'artère dorsale du pied. L'artère dorsale du pied. L'artère tibiale postérieure pénètre dans la plante du pied et se divise en deux branches médiale et latérale, l'artère plantaire latérale. Et donc, ces deux branches, une branche médiale et une branche latérale. Nous avons l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. L'artère plantaire latérale rejoint la terminaison de l'artère dorsale du pied au niveau de l'artère plantaire profonde pour former l'arcade plantaire profonde. Et ensuite, les branches de cette arcade artérielle vascularisent les orteils. L'artère dorsale du pied, elle-même, qui est en continuation avec l'artère tibiale antérieure, va cheminer le long du dos du pied. OK, l'artère passe entre les premiers et deuxièmes médial tarsiens pour pénétrer dans la plante du pied et devenir artère plantaire profonde. OK? Donc, on va commencer avec l'artère tibiale postérieure et on va parler de l'arcade plantaire. On va les voir au niveau schéma. Donc ici, vous avez votre artère tibiale postérieure qui va donc donner deux branches, okay? L'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. L'artère plantaire latérale va donner une branche seule pour le petit orteil, qui va donner donc une branche digitale, okay? Une artère digitale du petit orteil. Et vous allez avoir 1, 2, 3, 4 artères métatarsiennes. Et elle va finir par l'artère plantaire profonde, okay, elle va finir par une anastomosée avec l'artère plantaire profonde, qui est une branche terminale de l'artère dorsale du pied. Okay. Cette artère, okay, plantaire latérale va s'incurver et former ce qu'on appelle l'arcade plantaire profonde. Okay. C'est arcade plantaire profonde qui va donner justement les artères plantaires métatarsiennes et les artères digitales. La dernière branche va irriguer le bord médial du premier orteil. En gros, c'est ça. Puisque l'artère plantaire médiale, elle va venir s'anastomoser avec les artères métatarsiennes pour donner justement irrigation au même endroit. Donc, c'est ça seulement qu'il faut retenir parce que lire tout le truc, c'est un petit peu embêtant. OK? Voilà. Ensuite, vous avez l'artère dorsale du pied. Je vous conseille d'aller voir simplement le schéma pour l'artère dorsale du pied. Okay, donc, elle va donner un réseau péri-artériel au niveau de l'articulation de la cheville. Et ensuite, cette artère dorsale, elle est palpable entre le tendon du long extenseur de l'hallux et le premier tendon du long extenseur des doigts. Okay? Et elle va aussi s'incurver et donner, et l'incurvation elle-même va s'appeler artère arcée. Et va donner justement les branches métatarsiennes dorsales qui vont donner des branches digitales, OK, et dorsales. En gros, c'est ça. Vous retenez ça avec le schéma. Tandis que pour les veines profondes accompagnent les artères qui sont en profondeur, tandis que les veines superficielles vont d'abord former, les veines intermétatarsiennes vont former une arcade veineuse dorsale. Cette arcade veineuse dorsale, se rappeler que les veines, c'est de l'extrémité vers la racine. Donc, les veines vont. Cette arcade veineuse dorsale va donner deux veines, une médiale
qui sera la grande veine saphène, que l'on va retrouver jusqu'au niveau du trigone fémoral, tandis que la partie latérale va nous donner la petite veine saphène qui elle-même va rentrer dans la grande circulation par l'intermédiaire de la veine popliteale au niveau du creux popliteal, parce que on va donc la retrouver dorsalement au niveau de la jambe. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir parce que franchement, le livre a beaucoup trop de détails. Et c'est la même chose pour l'innervation. Pour l'innervation, vous retenez les nerfs principaux. OK? Donc, le pied est innervé par les nerfs, les cinq nerfs, le nerf tibial, fibulaire profond, fibulaire superficiel. On a oublié une virgule là, le nerf sural et le nerf saphène. OK? Et vous regardez les schémas qui vont nous permettre justement de savoir où se trouvent ces différents où se trouvent ces différents nerfs. Parce que le livre donne un tas de détails, mais ces détails ne se retrouvent pas au niveau des schémas. Exemple ici, vous voyez, toutes ces toute cette branche terminale des nerfs, on ne les retrouve pas. OK? Donc vous devez retenir simplement le schéma avec le nerf. Bon, le nerf tibial, il passe en arrière de la malléole dans, justement, on se rappelle, le canal tarsien sera donc en dehors de l'artère, OK? Et le nerf tibial va donner le nerf plantaire médial, le nerf plantaire latéral, de taille beaucoup plus réduite. Pourquoi? Si vous regardez bien ça, vous avez le nerf plantaire et médial, le nerf plantaire médial ici qui est réduit. Pourquoi? Parce qu'il innerve très peu de choses, tandis que le nerf plantaire latéral, il innerve beaucoup plus de choses. OK? Donc, vous retenez les schémas et vous retenez ce qu'on vous donne pour les nerfs. OK? L'innervation du pied. Attendez que je retrouve. Par exemple, le nerf digital plantaire propre est dessiné au bord médial de l'hallux, se divise en trois rameaux. Ouais. Vous retenez, il faut simplement retenir le schéma avec les nerfs et savoir la distribution des nerfs. Cette distribution des nerfs que, si je ne me trompe pas, on retrouve ici. OK? Donc, ces cinq nerfs contribuent à l'innervation sensitive et cutanée du pied. Okay. Le nerf tibial innerve tous les muscles intrinsèques du pied, à l'exception du coccyx extenseur des orteils qui est innervé par le nerf fibulaire profond, tandis que le nerf fibulaire profond innerve souvent le premier et le deuxième interosseux dorsaux. Okay? Donc, ça seulement avec les schémas. OK, donc en avant, on va retrouver, ouais, le nerf fibulaire profond et vous avez toutes ces ramifications, comme je l'ai dit encore, ramifications qui ne sont même pas nommées dans le schéma, ce qui rend l'étude de l'innervation du pied un petit peu compliquée, mais c'est plutôt du domaine des spécialistes. Retenez les nerfs principaux, retenez leur innervation et vous devez pouvoir reconnaître ces nerfs-là sur un schéma. Donc voilà, je crois que c'est la vidéo la plus courte. Et on se verra donc, on se verra donc à la prochaine vidéo pour l'anatomie de surface. Au revoir et à la prochaine vidéo.